J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On est samedi. Il est 10h20. Puis là, je m'enligne faire des commissions avec ma maman. Mon père est parti faire du skidoo avec ses chums de gars. Ça fait que ma maman va venir passer la journée avec moi. Ça fait que on a mangé des crêpes un matin. Les enfants ont vraiment bien dormi. Ça fait du bien. Moi, j'ai bien dormi, là, mais j'étais quand même reposée un matin. Un matin, j'ai fait mon workout. Sans vous tanner avec ça, là, des affaires de workout pis ça, parce que je sais que vous en entendez parler partout. Je voulais juste vous partager ma petite prise de conscience de hier. Je suis abonnée à une plateforme d'entraînement, comme que je vous avais déjà parlé. Puis hier, ça a donné que la coach que je m'étais abonnée avec m'a écrit pour savoir comment ça allait. Puis c'est la deuxième fois qu'elle m'écrit, puis j'étais comme ça va pas pendant. Je suis pas capable d'embarquer dedans, on dirait. Pourtant enceinte, là, comme je faisais mes workouts à tous les jours, comme je manquais jamais ça. Puis là, on dirait que j'ai de la misère à embarquer. Puis elle m'a fait un voice message. Puis elle m'a dit, j'aimerais que tu penserais à pourquoi que à comment tu te sentais, puis qu'est-ce qui étaient tes intentions quand ce que tu as signé avec moi pour acheter ta trousse. Puis elle dit pense à ça, puis elle dit mets-toi dans cette mood-là, si je pourrais dire. Puis j'ai répondu, je dis quand que je me suis abonnée avec toi, je dis c'était aucunement perdre du poids, je me trouve belle, tu sais, j'ai des boules, j'ai un double chin, mais je me trouve quand même belle, puis je suis bien dans ma peau. C'est pas ça le problème. Mon problème, c'est mon énergie. Je veux pas être obligée de dire aux enfants que maman est trop fatiguée, maman peut pas faire ça, faut maman se repose. Je veux pas être obligée de faire ça. Je veux être capable de suivre mes enfants, puis avoir l'énergie que j'avais post-enfant. Comme, non, pas post-enfant, pré-enfant. En tout cas, quand j'avais pas d'enfant. Je veux avoir cette énergie-là. J'étais capable de tout faire. Puis, tu sais, je sais que tu sais, je vieillis, non, je veux pas. Puis, c'est sûr que je pourrais pas être pareil comme quand j'avais 20 ans. Mais je veux être capable de suivre mes enfants quand même. Puis, c'est pour ça que j'avais signé, parce que je voulais être en forme pour être capable de tout faire ça. Ça fait que je me suis mis à penser à ça. Puis, elle dit, serais-tu prête? Elle dit, comme, tu sais, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me pousse, qui me dit, go, vas-y, fais-le. Puis Pierre-Luc, là, il est zéro comme ça. Puis c'est pas mal de sa part ou rien, mais tu sais, lui, il est pas de ce genre-là. Fait que, en vrai, j'ai personne qui me pousse pour me dire comme tu sais de le faire. Ça fait que hier, ma coach a dit, j'ai dit ça, puis elle a dit, serais-tu prête demain à commencer ton jour 1? Parce que j'ai dit, là, c'était le jour 1 qui était le pire. Elle disait, je peux même pas me minder à le faire. Fait que j'ai dit oui, j'ai dit demain, je vais faire mon jour 1. Fait que j'ai tenu ma parole, puis j'ai fait mon jour 1. Puis c'est Malik qui a choisi mon workout. Fait que c'était pas... il a pas choisi l'intensité facile, mais je l'ai faite. Puis là, je m'ai sentie bien après. Là. Fait que là, je me dis, le jour 1 est fait. Fait que à cette heure, je vais faire ça, puis je vais le faire pour mes enfants. Puis je veux pas que mes enfants soient une excuse. Je veux qu'ils soient la raison pourquoi je le filme. Fait que c'est ça qui était ma petite prise de conscience. Je t'aiderai pas plus avec ça. Je sais que vous en entendez parler partout. Vous êtes surroundé de monde qui fait des workouts. Fait que je veux pas vous tanner avec ça. C'est pas ça mon but. Mais je voulais vous partager ça à matin. Ça fait que là, c'est ça. À matin, je m'ai réveillée. J'ai fait ça. Après ça, on a fait des crêpes. Puis là, je m'enligne en ville avec ma maman. Je me suis juste préparée avec elle. Je m'ai douchée. Puis fait un petit face covering, juste vous dire que j'avais un petit peu de teint à matin, puis on va s'aligner par là. Fait que là, je m'enligne chercher ma maman parce que je suis déjà en retard, parce que j'avais dit que j'allais être là à 10h15, puis rendu 10h25. Fait que on s'enligne par là.
C'est moi encore. Qui d'autre? J'arrive de l'épicerie. Est-ce que je vais mes petites trouvailles vite. Ben, le gros, mon épicerie, avant que ça dégèle. Ça fait que j'avais pas vraiment besoin de collation parce que mon beau-père a été au Costco hier. Puis il nous a apporté des collations qu'on mange tout le temps. Fait que des Nature Bakery, des Nature Valley, ça c'est comme les préférés à Anthony. Puis vraiment difficile sur les sortes de collations qu'il mange. Fait que je suis bien contente qu'il aime ceux là. Ensuite, il avait acheté des yogourts à boire pour les enfants, puis des petits cocons. Fait que c'est des choses que j'avais pas besoin d'acheter. Sinon, je vais vous faire montrer qu'est-ce que j'ai poli au Walmart pour commencer. Fait que c'est pas tout de l'épicerie, là, mais j'ai trouvé ça. Voyons. Ça, c'est. C'est des pastilles de bain colorées. Les enfants adorent ça. Je leur fais tout le temps choisir chacun une couleur puis ils le mettent dans le bain. Puis là, cette fois-ci, il y en avait de pas de patrouille. Fait que j'ai pas pu résister. Je leur en ai pogné pour leur bain de ce soir. Walmart ici. J'ai finalement trouvé le pain à Mimine qui en parlait. Qui a fait sa fameuse danse de Kalamata. J'ai trouvé le fameux pain aux olives, puis comme il avait l'air tellement frais, là, il est mou. Comme, tu sais, la croûte est dure, mais comme il y en a l'air moist en dedans. Fait que j'ai vraiment hâte de le goûter. Ça avait l'air trop bon. J'ai pogné des petites collations comme ça. Ça. Celui-là, c'est Monterey Jack, puis des petites pinottes. Puis celui-là, c'est marbré, puis des amandes et cannelle. J'ai pas mis ça. Ensuite, notre incontournable à chaque épicerie, les yogourts à la banane. C'est les préférés à Anthony, puis je suis contente qu'il aime ça parce que ça lui fait une source de protéines. Ensuite, le beau temps arrive. Puis moi, le beau temps, ça rime avec barbecue. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté, mais j'ai acheté cette épice-là que je pomme au Walmart. Puis ça, là, dans des patates, dans le foil, sur le barbecue. Trop bon. Fait que. Avec du beurre comme que Pierre de Cadet. Mais ça, c'est une in de qu'est-ce qu'on va manger cette semaine si on peut déterrer notre barbecue le dessus. Mais ça, là, donc, même comme sur la viande ou des choses comme ça, là, c'est trop, trop bon. Puis c'est pas cher. Je pense que c'est 2. Je pense que c'est 3 piastres que j'ai payé pour une grosse bouteille comme ça. Des épices grecques, là, ça va pas mal partout. Là. Des baggies. Rien d'intéressant. Mon savon. Que je me lave avec. Puis là, j'ai pogné parce qu'on a commencé à sortir un petit peu les enfants de la maison. Là, quand on va faire des petites commissions, on les apporte. Puis la dernière fois que j'ai apporté Anthony, je l'ai mis dans le panier. Puis on dirait j'étais comme inconfortable. Je sais qu'ils sprayent les paniers, puis ça, là, on dirait que j'aurais aimé comme le frotter avec quelque chose. Fait que je me suis acheté des petites lingettes désinfectantes. Faut traîner dans le sac à couche comme ça, si on les apporte à une douche, pour pouvoir désinfecter les trucs avant de les asseoir. Sinon, j'ai pogné. Ça, ça avait l'air nouveau. Je sais pas si c'est vraiment nouveau. Ah oui, c'est marqué nouveau. Dove. C'est du savon à main Dove. Celui-là est antibactérien, ça fait que je vais le mettre dans la salle de bain en bas pour les intervenants qui peuvent se laver les mains. Puis moi j'en ai pogné juste un normal, comme ça. J'aime tellement la senteur du savon double. Fait que j'en ai pogné un pour nous autres en haut. Fait que je pense que c'est toute autre chose. J'ai pogné des croquettes, des céréales, puis des petits mom-mom pour la pitouine. Fait que je pense que c'est tout. Non, ça c'est la maison des fruits. C'est ma mère qui a apporté ça pour super bon. Fait que ça c'est pour le Walmart. J'ai été au Marshalls et
si j'aurais pu me laisser tenter, là, puis j'ai fait ma semence, je sais que je vais le regretter, mais pour faire des décisions. Il y avait des choses plus importantes que ça à acheter. Il y avait une belle cruche pour mettre mon sang d'étable dans la cuisine, qui était juste trop belle. Je l'ai laissé là. Puis il y avait aussi un machine pour mettre du savon dedans, qui était juste trop belle aussi, puis que j'ai laissé là. J'ai recentré mes priorités, puis je l'ai laissé là. Mais j'ai quand même pogné une couple de choses que j'avais besoin. Oh, t'es-tu correct, là? T'as-tu glissé? J'ai pogné du savon à main. Au Marshall, là, ils ont tout le temps des belles petites bouteilles de savon à main. Puis ça, c'était avant que je prenne ça. Fait que j'en prends tout le temps une quand que je vais. Puis je les stocke au pire, fait que chez Grammy. J'ai aussi pogné un crayon. Ça, c'est la première fois que j'essaie. Je connais aucunement cette compagnie-là, mais il était juste 4,99. Je me suis dit que j'allais essayer. Puis au pire, là, ça sera juste 4,99. J'ai aussi pogné. Allez, du coup, elle change. J'ai pas pu résister, mais je pense pas que je vous en ai parlé, mais on a commencé à. Potty training manique. Puis ça va vraiment bien. Ça va vraiment bien. Ça fait la quatrième journée. Puis il y a presque pas d'accident. Il y a juste ses poupées qui ont un petit peu de misère. Mais comme ça, ça va vraiment bien. Ça fait que je manquais de boxer. Puis là, j'ai pas pu résister. Comme. Des boxers avant comme trop cool. Que j'ai pris au Marshall, ça venait en paquet de 4, puis c'était 14,99. Il en restait un autre paquet comme ça, un 2T. Fait que si jamais ça vous intéresse, dépêchez-vous à y aller. Mais puis c'est comme un matériel comme vraiment léger. Fait que je suis sûre que les enfants vont bien aimer. J'ai aussi pogné une t-shirt que Manek a sur lui de Under Armour. Puis le linge d'été est vraiment sorti, c'est que je pense que j'ai pas mal de pogné leurs t-shirts qu'on a besoin, ils vont manquer des shorts. Mais j'ai pogné celle-ci à 7,99. Puis après ça, là, au Walmart, j'avais oublié de faire montrer, je leur ai pogné celle-ci. Celle-ci. Et puis. Celle-là. C'était 3 pour 12$. Ouais, 3 pour 12$. Donc, c'est le temps d'y aller. Ensuite, le restant des choses, c'est. Je pense que c'est du sorbet. C'est bon. Des fraises. Puis, ils ont l'air trop bonnes. Je sais pas s'ils ont juste l'air ou s'ils sont vraiment bonnes, mais ils sont en rabais à 3,99, je pense, ou 3,49. J'ai pogné. Moi, là, je suis une femme de bingo au bleu. Puis, c'est assez rare que j'en trouve. Puis là, j'ai trouvé cette marque ici. Au Sobeys. Fait que je vais les essayer. Les enfants aussi, là, ça leur fait des déjeuners différents. Fait que je vais les essayer. Puis je vais en laisser les nouvelles. Pour la petite, je sais pas si c'est nouveau. Je sais pas si c'est nouveau, mais j'ai pas mis des petites purées comme ça. Au Sobeys, dans le coin des choses pour bébé. Puis ça dit, c'est organique, biologique, collation de fruits et légumes, sans colorant ni arôme artificiel. Fait que on va voir si la petite aime ça. J'ai pris fraises. Et à Akai. Puis, banane bleuée, butternut squash, Greek yogurt, puis fraise. On va voir si elle va aimer ça. Mais tu sais, j'ai été attirée par le packaging, on s'entend. Ça manque pas.
Ensuite, quelque chose de bien plat à acheter. Des sacs de poubelle. Un melon. Ensuite, c'est pas fait tomber. Ensuite, j'ai pogné des paradoxes. On va manger des gros saucisses miel et ail avec du pain et des frites de patates douces, puis de la course. Ça va être un petit repas rapide. C'est bon. Quand le soleil sort, là, moi, je commence à avoir envie de manger des choses qu'on mange l'été. Du steak, des hot dogs, des hamburgers, des petites brochettes, des petites choses. On dirait que ça ne focus pas sur moi, ce matin. J'ai trop de choses sur moi dans mon lit. Là, je pense que fait que, pour les gars, pour le souper, j'essaye de leur faire manger ça. J'en ai pris un au jambon puis un au bologna. Anthony, là, j'ai jamais été capable de faire manger de la charcuterie. Je sais que c'est pas extra, là, mais pour les lunchs pour l'école en septembre, ça serait bien pratique. Autre que des saucisses, là, il mange pas ça. Fait que si ça mange ça à soir. Là, j'ai pas trouvé qu'est-ce que je voulais. J'avais vu dans le flyer des Activia Smoothie. Puis une fille proche de chez nous qui l'avait acheté. Puis je pensais, oh, c'est vrai, j'avais vu ça là, comme deux semaines passées. Je pensais, je vais aller acheter ça cette semaine. Fait que j'ai été au Sobeys. Puis c'est encore vide. Ça fait deux semaines de fil que je vois. Puis c'est encore vide. Fait qu'on va s'essayer la semaine prochaine de nouveau. En attendant, j'ai pogné les. C'est pour moi, là. J'essaie de me trouver des petites collations différentes que j'aime. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté ça ici. Puis des petites choses, des petites knick-knacks que je peux grignoter au lieu du chocolat bleu. Fait que j'ai pogné ceux-là. Bon, ça. 13 bananes, 30% moins de sucre. Je me suis dit que ça allait être bon, puis il y en avait juste 4, puis c'était 5 ou 5$. Fait que j'ai pogné celui-là au pêche. Fait que ça, puis j'essaierai la semaine prochaine de trouver parce que les saveurs du Activia en l'air bon. Mais il y en avait pas. Je me suis gâtée aussi avec des petits baby bills. Mais c'est pas mal chose enfant. Moi j'aimais bien ça quand j'étais jeune. Puis c'était bien rare que mes parents en achetaient parce que nous autres on était fort sur le fromage, le lait, des choses comme ça. Fait que c'est rare qu'ils en achetaient parce que c'est trop cher et ça dépendait trop. Et je me suis gâtée. Fait que ça c'est ma fameuse course là, la meilleure de tous les temps. C'est la crémeuse de la Sobeys. Et puis, dernière chose, c'est ça, c'est ça qu'on va manger. Puis, c'est ça qui coule. Maman, oh, tu es en train de faire un mess d'eau. J'ai acheté des petites bouteilles, puis ils sont en train de spray ça partout. Je vais ranger ça, puis ensuite, dans ta face, je vais ranger ça, puis on va s'en parler tantôt. J'étais censée aller faire la maison aujourd'hui, mais là, je suis floue. J'étais censée aller faire la maison aujourd'hui, puis je pense que ça va aller à demain ou 14 septembre. Parce que là, ça va. Fait que, oui. C'est ça, je vais ranger ça pour s'en parler tantôt.
Rebecca, montre ton bagel. Montre ton bagel. Mmm, nom nom. Bon, hein? Anthony! Coucou! Anthony! Coucou! Allô, allô, bon matin! On se retrouve, on est rendu dimanche. J'arrive de prendre ma douche. Je me suis lavé les cheveux, ça fait du bien. J'ai déjeuné, j'ai même pris une collation. Quand je fais mon workout, mon nom, non. Ça manque pas, je suis starvée, tout le temps. Fait que j'ai pris une collation. C'est la benne à donner, là, j'ai essayé, c'est la première fois que j'ai essayé ça, là, les petits espèces de lunch pack avec des pignottes. Celui-là j'ai mangé, c'était des pignottes, des raisins, puis du fromage Monterey Jack, je pense. Je me trompe pas. C'est la compagnie Black Diamond, là. Fromage, je pense que c'est ça. En tout cas, fait que c'était vraiment, vraiment bon. Je pensais pas que j'allais aimer ça parce que j'aime pas les raisins secs, puis j'ai vraiment aimé. Fait que ça a fait une belle petite collation. J'ai écouté le vlog à Milléane un matin. Ça me rend trop heureuse quand j'ai un vlog à écouter le matin. On dirait que ça commence bien mon matin, surtout un dimanche. Fait que c'est ça, là, je suis en train d'essayer de laisser mes cheveux chasser un peu avant de me faire une couette. Ma coiffure de tous les jours. Sinon, c'est la fête à mon papa aujourd'hui. 55 ans! Ça fait que c'est ça, on aurait bien aimé fêter, mais à cause de la COVID, on est censé changer à la phase jaune à soir à minuit. Puis c'est comme une phase jaune, c'est pas comme l'été passé, là, c'est une phase jaune modifiée, un petit peu plus stricte, mais c'est quand même mieux. C'est un steady 15, je pense, qu'on a le droit à voir. Fait que, techniquement, on pourrait aller manger au restaurant. Mes parents, notre famille, la famille à mon frère, puis la famille à mon cousin. Fait que, techniquement, on serait capable de faire ça parce que ça donne 13 ou 14, je pense. Mais on change juste à minuit à soir. Fait qu'on peut pas aujourd'hui. Fait que ça, ce n'est que partie remise. Mais je pense qu'on va faire. On a parlé avec maman hier, puis je pense qu'on va faire un souper. À soir, un souper fondu. Ça fait depuis vendredi là, que j'ai le goût de manger une fondue. Puis c'est ça, je pense que tonight is the night. Fait que si mon père, parce que comme vous savez, il est parti sur une trip de skidoo. Si mon papa arrive de bonne heure, c'est ça qu'on va faire. Puis quand on aura la chance, ben, on ira manger au resto avec lui. Fait que c'est ça. Là, je m'apprêtais à me faire le fameux café Starbucks à Midienne. Je suis une fan de café. Fait que moi, quand il y a des nouvelles recettes, j'aime essayer. Puis là, Mylène a fait une dans son vlog. Fait que je vais essayer ça moi aussi. Puis sinon, là, Malek est dehors avec son papa. Mais son père, mon homme. Au moins, moi, le matin, avec les petits mots. Puis Adèle est dehors avec mon homme. Parce que la souffleuse, parce qu'il a pas eu la chance de trouver à la cour comme poule. Parce qu'il y a eu la dernière tempête. Fait que là, il est parti faire ça avec lui. Ça lui fait prendre de l'air. Le Malek, les capotes pour aller dehors tout le temps. Puis moi, je ne suis pas tant une femme à aller jouer dehors l'hiver. J'aime pas vraiment ça. J'aime faire des petites activités quand ce qui fait comme plus doux. Quand c'est comme la fin d'hiver, là, tu sais, tu peux aller dehors, fait beau, puis tu sais, tu gèles pas même si t'es pas à l'extrême habillé. Fait que c'est ça, c'est pas pour moi aller dehors tout de suite. Fait que là, il est parti dehors, puis Anthony, lui, il est comme moi, il aime pas vraiment aller dehors l'hiver. Fait que là, il est avec, il est installé sur le sofa avec sa tablette. Puis c'est ça, la pitounielle est en train de barder sa terre. Elle vient de se lever. Je suis obligée de la réveiller parce que j'ai comme pas le goût qu'elle me fait juste une sieste comme hier. Hier, c'est Pierre-Luc qui les a watchés quand j'étais à l'épicerie. Puis
il les a couchés. Il l'a couché comme offset des heures que j'accouche d'habitude. Puis elle a juste fait une sieste. Fait qu'elle était un peu mal patiente hier après-midi. Fait que je l'ai réveillée. Puis là, je vais la coucher de nouveau tantôt. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous avez une belle fin de semaine. Moi, ça a été relax, mais c'est des fins de semaine de main good. On dirait que c'est. Ben, je dis relax, là. J'ai eu des péripéties quand même le vendredi. Ma chasseuse a manqué. Je sais pas, je m'en souviens pas si je vous ai parlé. J'ai dit ça. En tout cas, ma chasseuse a manqué. Fait qu'on est une famille de 5, comme vous savez. Pas de chasseuse. Fait que j'ai des cordes d'accrocheté partout dans la cave. Beto, là, faut que je fasse un lavage, là, je vous ferai montrer ça. Des cordes d'accrocher partout pour faire chasser mes couvertes. Chasser mon linge, tout le kit, là. Fait que. Excusez-moi, pardon. Mais ça, c'est pas vraiment pratique. Là. J'ai commandé le 5, un petit morceau qu'elle a lâché dessus. Puis ça fait un bout qu'on le traîne, puis on le traîne, puis on le traîne. Puis là, vendredi, j'ai été pour mettre mon lavage à laver. Là, ben, la dernière vlog, là, je vous ai dit, je pensais que j'avais tué ma chasseuse. Là, ben, je l'ai vraiment tué. Elle avait pu marcher. On n'arrête pas de crier comme un cri, là. Comme... C'est faux. Là. Comme, tu sais, ma laveuse, ma chasseuse en bas, puis je l'entends en haut. Fait que là, c'est ça. J'ai perdu ma chasseuse, puis je l'ai perdue jusqu'à vendredi parce que le morceau est censé rentrer vendredi. Je l'ai commandé sur Amazon, là, puis c'est une pinotte, là. C'est juste un pire d'édicile, comme le tightener qui va là-dedans. En tout cas, moi, je connais pas ça. Mais c'est ça. C'est rien qu'un petit morceau de plastique. Puis on va faire avec. Hein. Fait que là, j'installe toutes mes affaires à chasser en bas sur ma corde de linge que je lui ai faite. Puis c'est ça, puis là j'ai comme un paquet de lavage à faire, mais tu sais, je peux juste en faire comme un, puis là comme lécher chasser, puis là quand c'est sec, là d'en faire un autre, parce que sinon je me ramasse avec trop de linge trempé. Puis j'ai fouillé dans mon linge à matin, puis il y a du linge à comme chasser, mais comme mal chasser, puis en fait que je trouve qu'il sent, fait que là on va faire que je le lave. Nous. En tout cas, puis c'est ça. Puis là, j'ai le ménage du vendredi. Le ménage du dimanche à faire comme d'habitude. Je voulais aller faire mes ongles parce que j'ai qui se met honte de vous faire montrer là, mais comme c'est rendu terrible. Mais là, j'ai assez de choses à faire, puis à l'épicerie a pris comme la moitié de la journée. Fait que là, je sais pas si je vais. Je sais pas si je vais aller voir ma mamie pour faire mes ongles ou pas. Sinon, ben j'irai cette semaine. Là. Mais j'aimerais mettre une petite couleur de printemps, on dirait. Puis aussi. Je vous avais dit j'allais vous faire un vlog colis. Péripétie de mes colis non arrivés. J'ai reçu une chose, là, j'avais commandé un t-shirt. Le petit en train de sortir ici joué. J'ai sorti. Voyons, ça y est. J'ai reçu le t-shirt. J'avais commandé un t-shirt pour les gars. Ça, je l'ai reçu. Puis, je m'avais commandé des fleurs pour mettre dans mon pot sur ma table de cuisine, là où j'avais mis mon bouquet que ma mère m'avait acheté à la Saint-Valentin. Puis, c'est ça, je m'avais commandé des belles tulipes blanches en plastique, là, fake. Puis, c'était censé arriver mercredi. Le mercredi, la date a été repoussée à vendredi. Puis là, je me suis dit, tu sais, avec la tempête, ça peut, c'est normal, là, ça peut avoir été repoussé. Puis là, samedi, je check, puis ça disait que mon colis était perdu. Fait que là, j'ai contacté Amazon, puis ils m'ont remboursé parce que eux autres, c'est juste la compagnie qui shippait. C'était comme quelqu'un d'autre qui vendait, puis eux autres le ship. Fait qu'ils peuvent pas rien faire. Reste à voir si ça va rentrer quand même. En tout cas, ils sont censés avoir fait des remboursements, j'ai pas checké. Puis là, je suis encore pris que j'ai rien dans mon centre de terre. Je vais peut-être garder par ici là, voir pour quelque chose pour mettre là. Fait que c'est bien plat, mais regarde, chose qui arrive. C'est rare, ça m'arrive. Là, je pense que c'est comme la deuxième fois que ça m'arrive que j'ai besoin de contacter Amazon. Là, d'habitude, ça rentre tout le temps. Fait que c'est ça. Il y a des choses pires que ça. Fait que c'est ça. Je vais m'en aller, je pense, faire mon petit ménage. Je vais faire mon café. Puis, on va se reparler tantôt. Je vais vous apporter avec moi. Je sais, il faut qu'on va chercher la fondue chez mes beaux-parents. On a une ici, mais ça va en prendre un autre. Pour.
faudrait tout le temps que je traînerais ma bouteille d'eau avec moi. Parce que à chaque fois que je vous parle trop, puis j'ai soif. Et ça, on a avec une fondue, puis ça va en prendre. Ça va en prendre deux pour faire avec mes parents parce que moi, Pierre-Luc, on prend toutes les baguettes. On aime que c'est comme une chaîne, tu sais, t'en prends un, t'en mets un autre, puis ça va le plus vite possible. On enjoy quand même. Fait que c'est ça, il va falloir qu'on va chercher ça. Puis, je sais que je voulais faire, là, peut-être pas aujourd'hui là, parce que là, je n'ai trop sur ma liste, là. Mais je voulais commencer à faire la rotation puis sortir le linge de printemps, les soutes de printemps, puis tranquillement pas vite serrer les choses parce que là mon garde-robe est comme over the top, empaqueté de stuff, de tuc puis tout le kit. Puis comme il en utilise juste une, fait que je pensais comme faire le tri puis comme sortir les affaires de printemps tranquillement. Puis après ça, ben, je vais pouvoir voir qu'est-ce qui me manque pour les boys puis la pitoune. Fait que je pense que je vais faire ça ou peut-être juste faire un vlog juste de ça. Reste à voir. Mais je sais que j'ai déjà pas mal de choses sur ma liste. Fait que c'est ça. Je regarde mes cheveux là. C'est. Ouais. C'est, j'ai une terrible crinière de cheveux là. Hein. Fait que je vais aller faire ça. Puis je vais vous apporter avec moi. Pour te faire tantôt. Oh! À matin, j'aurais dû commencer mon vlog avec ça. À matin là. Vous avez vu là, mon beau petit déjeuner que je viens de faire. Vous avez vu la photo après. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est ma faute là. Mais la petite, sa chaise haute est tout le temps sur la table. Puis là, je voulais prendre ma petite photo fancy là, puis j'ai mis mon verre comme dette à côté de son pied. Elle a rien qui a besoin de donner une kick, puis ça a fait le dégât, vous avez vu. Fait, j'ai perdu la moitié de mon smoothie. Mes toasts étaient soggy au smoothie aussi. C'était pas si job que ça. Là. Mais le pain, pendant tout ça, là, le pain aux olives que j'ai pogné au Walmart, délicieux. Comme, wow. J'aime même pas les olives d'habitude, là. Puis, oh, il est trop bon. Que c'est que vous allez au Walmart, je vous conseille d'essayer ça. Il est vraiment bon. Fait que là, je vais pour vrai. Je m'enligne faire mes choses. Puis, on s'en prend tantôt. Il est rendu 5h37.
On a été faire un tour chez mes parents. On a été ramasser qu'est-ce que ça nous prenait pour faire à souper. Puis là, j'ai pas pensé, mon père, lui, aime bien. Ce que vous me voyez là. Mon père aime vraiment des fruits de mer, une fondue, fait que là, il va aller à la poissonnerie d'en chercher. Fait que c'est ça, on vient d'arriver. Mon frère était là aussi, puis mon cousin était là aussi. Fait que c'était bien fun devant tout le monde. Les enfants ont enjoyé ça. Fait que là, c'est ça, on va starter à préparer tout ça. C'est encore la même chose que d'habitude. Mon bouillon que j'adore, celui-là. Là. Celui-là, juste l'original, je l'adore. Je dirais, je veux comme pas essayer les autres parce que celui-là, je suis jamais déçue. Après ça, j'ai pogné un paquet, ben deux paquets à 10$ de viande à fondue. Fait que porc, bœuf et poulet. J'ai acheté des champignons, j'avais déjà des piments ici. J'ai acheté deux blocs de fromage d'Ourimi. Fait que c'est ça, ça va d'être vraiment bon. Malik, il a comme un intérêt à vouloir essayer la fondue, juste que on verra bien ce qu'il veut manger ça lui aussi. Sinon, ben je vais faire quelque chose pour les enfants. Fait que c'est ça, ça va d'être vraiment bon. J'ai trop hâte. Comme moi, la fondue, là, je pense à tous les jours. Fait que, puis accompagnement, on va faire des patates. Patates grecques. Miam. Fait que c'est ça. C'est ça qu'on s'enligne préparer. Je vais faire mes sauces pour laisser le temps à mariner ou whatever, reposer pour que ça soit encore meilleur. Je pense que je vais me prendre une collation parce que je commence à avoir faim. Puis, je vous avais dit qu'à l'épicerie, j'avais pas trouvé mes yogourts smoothie Activia. Puis, quand j'étais chez Frenette, il y en avait. Fait que j'ai pris. Il y en avait juste une sorte, mais j'en ai acheté deux. Hein? Je voulais que vous avez un close-up de moi. J'ai pris le Activia, celui-ci, smoothie. Ça dit que c'est chia, flax, seed, kiwi, ananas, concombre, date et gingembre. Fait que j'ai hâte de goûter ça. Je sais qu'il y en avait plusieurs autres sortes au Sobeys, mais il n'y en avait pas. Fait que je vais envoyer Pierre-Luc cette semaine d'en chercher. Fait que c'est ça, on sort de la préparation. J'ai trop hâte de manger. Bon appétit! Merci!
doit être. C'est le temps de conclure mon vlog. On a tellement mangé, là, mais c'était vraiment bon. Avec là, la vaisselle est faite, la maison est rangée. Puis on a, juste pour donner une idée, on a tellement mangé, on s'est même pas rendu au dessert. Mon père avait acheté un petit gâteau McCain, mes gâteaux préférés. Puis on s'est même pas rendu à l'eau, le Seigneur, on est bien trop plein. C'était vraiment bon. Une fondue, c'est jamais relax, par exemple, parce que j'ai les trois enfants qui courent à l'entour. Puis là, Anthony était attiré par les petits pics pour mettre dans la fondue. Il était attiré par la couleur qui était sur le bout des pics, là, puis comme non-stop, il venait nous voir, puis il essayait d'en pogner. Fait qu'il fallait surveiller ça. Puis après ça, la petite qui essayait de pogner les broches d'extension qui étaient pluguées au mur. En tout cas, c'était bien comique. Puis là, finalement, je pense qu'il était 7 heures, puis on l'a couché parce qu'elle était fatiguée, puis comme en la couchant, les yeux ont fermé, ça fait qu'elle était fatiguée. Elle avait juste dormi une sieste aujourd'hui, là, ça fait que ça a fait du bien de se coucher. Sinon, c'était une belle soirée. Relax avec mes parents. Puis, il y en a resté. Ça fait que là, demain, je vais avoir un bon petit dîner. J'ai encore fait les deux mêmes sauces. La sauce avec le shake and bake au barbecue. Puis, la sauce à Alex Larouche. Là. Oh my god, c'est trop, trop bon. Puis j'ai même essayé cette sauce-là avec des crudités, puis c'était vraiment bon. Fait que ça fait comme une sauce ranch, on dirait, non? Mais en tout cas, c'est vraiment bon. Là, je vais aller relaxer. Il faut que je vais étendre ma brosse de linge parce qu'il faut que ça sèche overnight. Pierre-Luc m'avait dit de laver son linge jeudi, puis j'ai oublié vendredi, puis j'ai oublié samedi, puis j'ai oublié dimanche. Fait que là, ça donne que là, il faut que je fasse un lavage à 9h20 le soir. Il faut que je vais l'étendre comme la bonne vieille manière. Je vais aller faire ça, j'attends juste que ça finisse de laver, de spinner. Puis après ça, je vais aller étendre ça. C'est que c'est ça. Je pense que je vais conclure ça ici. Ça, j'avais deux choses à vous dire, puis... Oh oui, my god, je peux pas, j'ai oublié ça. Pour ceux qui écoutent Good Girl, ça commence à soir. Là. Comme je pense que c'est un petit peu tard par exemple, là, mais je l'ai mis d'enregistrer, mais je vais peut-être me rendre à l'épisode. Là. Comme on dirait, ça fait trop longtemps que j'ai hâte d'écouter cette émission-là. Je vais peut-être me rendre à l'écouter à soir, sinon je vais l'écouter demain. Puis peut-être que je vais même éditer le vlog à soir. Ça va dépendre si tout le monde fait le dos ou pas. Mais ouais, ça commence aujourd'hui. Alors, comme ça, là, c'est mon émission. Là. Comme je peux écouter les saisons à répétition, puis je m'étonne jamais. Comme c'est dessus tout en temps. Si tu m'en as perdu, là, Good Girl joue tout en la TV. Fait que c'est ça. Je vais aller m'installer pour watcher ça. Hey, j'avais quasiment oublié. Peux pas croire. Fait que je vais vous remercier de m'avoir écouté encore. De me suivre puis de m'envoyer vos beaux petits messages. C'est tout le temps le fun. Puis j'apprécie ça. En tout cas, ça m'encourage. Puis ça me motive à continuer d'en faire. Fait que c'est ça. Merci beaucoup de m'écouter. Puis on se revoit dans un prochain vlog. Puis là, je m'en vais relaxer. Là, c'est assez blabla. Parce que je pense que ce vlog, ça doit être long. Parce que il me semble que j'ai filmé ça sur du jour. Puis je sens que j'en ai dit des affaires. On dirait que j'ai comme parlé plus fort. Puis, update de maison, ils sont toujours aussi dus. Ça n'a pas donné à les faire aujourd'hui. Je vous dis, on dirait que j'ai comme pas avancé rien de productif. Tu sais, en même temps, on a eu une belle journée, là, mais on dirait comme mon ménage, puis ça, il n'y a comme pas avancé. Je voulais installer, je voulais faire installer quelque chose, puis que je ne l'ai pas fait installer. Et ouais, ça n'a pas été productif, mais ça a été une belle journée. Fait que maison, ben, ça va aller à cette semaine, là, mais là, comme faut sérieusement que j'y vais, là, comme... Checkez-moi ça. Comme c'est tout pété. Je suis overdue d'une. D'habitude, là, je vais comme 3 semaines et demie. Des fois, je me rends à 4 semaines, là, puis là, je pense que ça fait comme 5 semaines.
C'est, ouais. Mais je pense que je vais les tiendre courts encore. On dirait que j'ai comme aimé ça. J'adorais ça quand je les avais longs. Mais je trouve qu'avec les enfants, on dirait que c'était comme beaucoup accrochetant. Puis là, court comme ça, on dirait que ça fait délicat. Puis, c'est ça, on dirait que j'aime mieux ça. Mais je pense qu'au lieu de les faire carrés, je vais les faire ronds. Parce que je trouve que quand ça pousse, on dirait que j'aime moins ça. J'aime moins le look. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais ma bague de mariage n'est plus là. J'ai engraissé des doigts tout d'un coup. On dirait ma bague me fait plus. Je l'avais envoyé faire réparer parce qu'il y avait un diamant qui était brisé. Je me souviens pas si je vous avais dit. En tout cas, ça fait comme 4 ou 5 fois que j'ai envoyé ma bague faire réparer. Puis, en même temps, ils la refaisons toute la renipponde. Puis, à l'arrivée, elle me fait plus. Je sais pas si c'est parce qu'ils l'ont dippé de nouveau ou que j'ai par magie juste engraissé des doigts, mais en tout cas, elle me fait plus. Puis, c'est ça. Va falloir que je la porte à la bijouterie, la faire agrandir. Ça se fait-tu engraisser des doigts autant que ça? En tout cas. Fait que là, j'ai fini de parler. Je vous souhaite une belle journée, soirée. Puis, on se revoit dans un prochain vlog. Bye!